und den Ostersonntag dann um 10.30 Uhr. Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le dimanche des rameaux, on ne fait pas de sermon. Quelqu'un, justement, aussi tire un soupir de soulagement, puisque je suis quelqu'un qui vous inflige de temps en temps même des sermons de 40 minutes. Mais quand même, avant la messe, j'ai voulu rappeler ce que nous avions déjà exposé, c'est-à-dire les moments saillants de la semaine sainte, mais non seulement en tant que tel, mais même dans l'intention de en connaître les traits historiques les plus importants et à travers cette connaissance pouvoir comprendre quelles étaient les intentions du pape Pie XII lorsqu'il réformait cette semaine sainte. Bien sûr, nous suivons les rubriques de Saint Pie X. Et nous le faisons parce que notre évêque, Mgr Marc Pivarounas, que nous avions demandé, il nous a expressément autorisé, bien que lui-même, avec toute sa congrégation, depuis toujours d'ailleurs, suit les rubriques de Pie XII. S'il m'avait dit « Non, maintenant tu dois suivre les rubriques de Pie XII », j'aurais dit « D'accord, j'obéis » et j'avoue, j'aurais pas eu de problème, peut-être des problèmes de goût, mais non pas des problèmes théologiques dans ce sens-là. En fait, je pense toujours aujourd'hui le maximum de l'extension qu'on pouvait tolérer, c'était vraiment 62. Mais déjà, vraiment, avec des cachets pour l'estomac à certains moments de cette liturgie. Mais on pouvait, comme fait la fraternité Saint-Pie, mais comme moi-même je faisais. Donc, lorsque je demandais à l'évêque, est-ce que je peux revenir à Saint-Pie, puisque j'ai repris le bréviaire de Saint-Pie, je me suis rendu compte de la énorme différence qu'il y a entre le bréviaire de Saint-Pie et celui de Jean 23. Et j'avais aussi découvert l'énorme richesse de la longueur aussi de la liturgie de Saint-Pie. Il me dit oui, vous pouvez la célébrer, mais je vous donne en lecture un article, c'était un article de l'Ecclésiastique américain, American Ecclesial Review, AER, n'est-ce pas, par Jean Miller, qui en 1956 fait un très bel article sur l'histoire et l'esprit de la Semaine Sainte pour expliquer les motifs pastoraux de la réforme de Pape Pie XII. Ayant lu cet article, outre qu'avoir appris beaucoup de choses sur l'histoire de la liturgie en général et surtout sur l'histoire et l'évolution de l'histoire de la Semaine Sainte, j'ai découvert, paradoxalement, que les intentions de Pie XII sont si bonnes que, en célébrant les rubriques de Saint-Pie, il me semblait être encore plus dans l'esprit du législateur que non en célébrant les rubriques de sa réforme, qui, ayant toute leur justification dans de très bonnes et saintes intentions d'ordre pastoral, n'est-ce pas, mais avec le recul de décennies, sachant que le technicien, pour ainsi dire, qui travaillait en dessous de Pie XII et qui ne pouvait donc pas faire valoir comme loi ses intentions, mais lui, il avait des intentions très mauvaises.
et c'est Bonini qui portait ensuite, non pas à la réforme liturgique de Paul VI, mais nous, aujourd'hui, avec le recul, nous pouvons bien dire à la destruction de la liturgie. Encore une fois, il met à cœur à déclarer que si nous suivons les rubriques de Saint Pie X, c'est pas en condamnation de la réforme de Pie XII, absolument pas. Mais dans ce temps où il y a la guerre et le siège est vacant, et d'une certaine manière, il faut se débrouiller, d'une certaine manière, toujours selon les canons de l'Église, eh bien, j'ai posé la question et j'ai reçu l'autorisation donc, de suivre les rubriques de Saint Pie X. Les principes pour lesquels Pie XII a réformé la Semaine Sainte sont les suivants. Le fait était que samedi matin, à un moment de la cérémonie de Pâques, n'est-ce pas, l'église était pratiquement vide parce que la duration des 40 heures, et nous parlerons le jeudi saint, finissait de plus en plus tôt, de telle façon que le samedi matin, il y avait peu de gens à l'église. Alors, dans sa sollicitude pastorale, il disait, non, je dois faire quelque chose pour faire participer le maximum de personnes à la préparation de la grande fête du dimanche de Pâques, donc à la vigile pascale, et il a réintroduit le soir avec le feu et avec la messe qui va outre la minuit et qui termine en fait par les laudes, à la différence de la liturgie de Saint Pie X qui termine par les vêpres, parce qu'au lieu d'aller outre minuit, on dépassait midi et on pouvait déjà chanter, n'est-ce pas, les vêpres. Donc une très bonne et très justifiée motivation pastorale. Et aussi, l'autre motivation, c'est que la Semaine Sainte, comme toute la liturgie dans les différentes parties de la chrétienté, suivant surtout les différentes langues liturgiques, le grec, le copte, le syriaque, le araméen, ont connu, en effet, leur histoire, leur développement, et par cela même, leur changement. Mais là, il y a un moment que nous devons ajouter, ce n'est pas pris de l'article, parce que lorsque nous disons cela, justement, et c'est un vrai argument, quelqu'un pourrait dire, mais si on étudie l'évolution et l'histoire de la liturgie et de la Semaine Sainte, il y avait vraiment des grandes évolutions et même changements. À ce point, pourquoi ne pas accepter qu'on puisse faire une messe nouvelle? Il y a des théologiens, que Dieu l'ait en gloire, le docteur Grégoire Hesse, théologien célébré et très réputé, surtout en Autriche. On faisait référence à lui pour démontrer que quand Saint-Pierre s'est trompé et a été repris par Saint-Paul, tous les papes se sont trompés et ont dit des hérésies, toujours, et donc c'est normal que aussi maintenant Jean 23, Paul 6, Jean-Paul 2 disent des hérésies. C'est plus grave qu'avant, mais c'est rien d'exceptionnel. Ça reste l'Église quand même, ce sont toujours des papes, et c'est pas vrai que les papes n'ont jamais erré et n'ont jamais enseigné l'erreur. Même Saint Léon, dans un décret dogmatique, se trompe parce que semble pour ce docteur double doctorat pris à Rome, aurait dit que la Très Sainte Vierge avait le péché originel. Enfin, ahurissant, bien cher fidèle, mais dans ces conférences, il est dit, Pie XII aurait accepté la nouvelle messe. Alors, d'une part, il est ahurissant de voir l'ignorance, je veux dire vraiment crasse des faits. Mais il faut aussi reconnaître l'argument
l'objection, disons, n'est pas idiote. Et il faut répondre. Et comment on répond? Sinon, par le fait, et avec cela nous terminerons notre parenthèse et renouvelons à notre article, c'est que, bien qu'il soit vrai qu'un rite n'est pas un texte dogmatique et nécessite d'autres critères pour le juger, eh bien, justement pour cela, le critère qui nous fait juger un rite, le critère qui nous fait même écarter un rite nouveau, mais qui serait très beau, plein de vérité et de culte. Quel est ce critère? J'aurais bien aimé avoir les 600 prêtres ou plus de la fraternité devant moi pour leur demander « Levez la main, qui sait quel est le critère ?» Je crains que très peu de mains se lèveraient. Le critère, c'est l'apostolicité, le nouveau sordomis et les nouvelles liturgies, même la nouvelle et surtout la nouvelle liturgie de la consécration épiscopale, n'est pas un rite apostolique, ce ne sont pas des rites apostoliques. Et donc, ils ne sont pas catholiques. Et tout cela, avant encore d'aller examiner le contenu, avant encore d'examiner que de ce nouveau rite a été sur demande écrite, explicite, de Joseph Rassica, Dieu l'ait en gloire, que dans la réforme liturgique, il faudra ôter le concept d'une rédemption due à la souffrance et à la douleur dans le corps et dans l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant encore cela, cette messe n'est pas apostolique. Ce rite n'est pas apostolique. À la différence, et donc je reviens à notre conférence, des liturgies romaines, gallicanes, d'Antioche, d'Alexandrie, de Jérusalem, la liturgie ensuite de Saint Jean Chrysostome, Saint Basile, toutes ces liturgies sont apostoliques. Et cela est prouvé par les faits, par les sources historiques, n'est-ce pas? Bien. Donc, conclut l'introduction de cet article, pour comprendre bien les intentions pastorales de Pie XII en réformant la semaine sainte, il est nécessaire de connaître l'histoire de ces rites. Et c'est ce que se propose d'une façon très succincte, mais quand même exhaustif, c'est cet article, la semaine sainte. La semaine sainte, qui était appelée déjà par saint Athanase au IVe siècle la grande semaine, n'est-ce pas, et a comme objet le culte sur les lieux et des singuliers moments de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avions déjà dit il y a des années, la Eteria, cette espagnole, cette femme qui était en pèlerinage en Terre Sainte, avait la bonne idée de porter avec soi un petit carnet de la Smolensk avec le crayon pointu et écrire très exactement tout ce qui se passait durant les cérémonies. C'est un document d'une très très grande valeur pour nous parce que nous pouvons vraiment observer de façon très détaillée les cérémonies de la Semaine Sainte à Jérusalem. Celle de Jérusalem. Rome avait de son côté, elle aussi, une cérémonie, un rite, des rites pour commémorer et honorer, adorer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Un de ces moments spécifiques de Rome, n'est-ce pas, c'est le chant du Passio,
et beaucoup d'autres éléments, Rome, dans le temps, dans les siècles, a reçu, accepté par l'Orient, en passant par les Gaules, la France d'aujourd'hui. Comme ça, là, le dimanche des, rois, des rameaux, si vous avez assisté à la cérémonie ce matin, vous avez vu que la cérémonie de la bénédiction des rameaux prend la grande partie. Elle est encadrée par ce qu'on appelle la Missa Sicca, pratiquement un rite qui ressemble à la messe, sauf qu'il n'y a pas de canon et transubstantiation. Mais vous avez vu, il y a en certaine manière l'introïte, il y a l'oraison, il y a l'épître, il y a le graduel, le trait, il y a l'évangile, il y a le préface, il y a le chant du Sanctus, et ensuite bien 6 oraisons avant de bénédire avec l'eau bénite et l'encens les rameaux qui ensuite sont distribués et portés en procession, une procession qui prend un temps relativement bref eu égard à tout le reste de la liturgie. Chose que Pie XII, avec de très bons arguments, a voulu changer. Il lui semblait que la bénédiction des rameaux, à dire le vrai, une bénédiction qui commence seulement après les premiers siècles, avant les rameaux n'étaient pas bénis, étaient pris et mis et utilisés comme nous prenons les fleurs, on les coupe, on les met dans les vases, on met sur l'autel, mais il n'y a pas de bénédiction pour les fleurs, comme ça les rameaux étaient arrachés des arbres et tout de suite dans les processions à Rome utilisés comme ça de façon spontanée, disons informelle. Mais déjà au 7e siècle, nous trouvons dans le rite mozarabe des formules très précises de bénédiction, et on voit que le rite romain au contraire a très très développé cette bénédiction, et c'est ce que les rubriques de Saint Pie X encore nous transmettent. Pie XII a voulu invertir, donner plus de importance à la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, la raison pour laquelle la procession se fait en vêtements rouges, et la bénédiction des rameaux est très raccourcie. Toute la Missa Sicca saute pour simplement une antienne et deux oraisons. Voilà, et tout cela a ses bonnes et justes motivations. Il est vrai que, pris le tout ensemble, parce que, encore une fois, la liturgie n'est pas un test que dogmatique, mais c'est un ensemble de gestes, de paroles, qu'il faut voir toujours dans son ensemble, n'est-ce pas ? Eh bien, vu dans son ensemble, pourtant que les motivations étaient justifiées, aussi les horaires, n'est-ce pas, de déplacer du samedi matin au samedi soir la veillée pascale, une liberté que nous prenons aussi. Nous ferons la vigile pasquale à 20h30, 8h30 le soir. Mais avec le recul, restant sauve, et je dis sainte, les intentions avec lesquelles Pie XII a fait cette réforme, un rite absolument qu'on peut célébrer, si l'évêque m'avait imposé de le célébrer, je l'aurais célébré, je lui ai dit, comme j'avais célébré le maximum du possible, qui était le rite 62, mais avec le recul des décennies, on voit que les 6 bonnes intentions de Pie XII et les grands moments qu'on peut cueillir de l'histoire de la Semaine Sainte, eh bien, summa summarum, sont mieux représentés par les rubriques de Saint Pie X. Voyez, il y a des moments même très extérieurs, très externes.
Le temps, le lieu, la durée. Certainement, la durée des rubriques de Saint-Pédis est beaucoup plus longue. Vous voyez Pascal aussi, 12 lectures. Aujourd'hui, la cérémonie, c'est long. Mais à Jérusalem, lorsque on fêtait le dimanche des rameaux, ça durait 6 heures. On partait à 1 heure de l'après-midi du Mont des Oliviers et la procession durait 6 heures, tout entier 6 heures. C'est très très long, mes chers fidèles, c'est très long. Et donc nous nous sommes dit, avec le permis de notre évêque, d'utiliser les rubriques de Saint-Pédis, et en faisant cela, non seulement nous ne condamnons pas la réforme de Pie XII, mais au contraire, nous célébrons dans les intentions du dernier souverain pontife légitime législateur. Eh bien, je vous invite de participer le jeudi saint à 20h30, le vendredi saint à 19h, et le samedi saint à 20h30 au Triduum Pascal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.